Gloire à Dieu. Que le Seigneur amène. Alléluia dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia dans votre ministère. Alléluia dans votre œuvre. La louange de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cela va se produire. Cette année, cela doit se produire. La gloire de Dieu sera dans toute vie. Père, nous te remercions pour le développement des dirigeants. Merci pour ton peuple. Merci de nous avoir amenés ici pour la force, l'onction du Saint-Esprit sur tout le monde. Nous demandons que cette œuvre prospère dans toutes mains plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous apprenons, que cela porte du fruit dans notre ministère, dans notre famille, dans notre vie cette année, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu confirmes tes bénédictions sur toute vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donne-moi un meilleur Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé une nouvelle série de leadership le mardi passé. Vous pourriez ne pas le reconnaître. On a pris les lettres du mot leadership. Et la semaine passée, j'ai traité elle. Conduire. Conduire le troupeau. Conduire. Le troupeau de Christ. L'Église de Dieu. Le peuple de Christ. L'Assemblée qui est appelée hors du monde. Conduire cette Assemblée. Conduire ce troupeau avec l'amour de Christ. Et nous avons dit en ce temps-là que notre leadership doit reproduire des gens comme le Seigneur lui-même, comme nous reproduisons le leadership de Christ dans notre style de leadership. Et j'ai dit que c'est très nécessaire que si nous suivons le Seigneur dans le leadership, nous devons être sauvés, sanctifiés, être remplis de l'Esprit de Dieu. Que un véritable leadership, un leadership productif, doit signifier que nous sommes aimables, que nous équipions les membres et les ouvriers de l'Église. Nous avançons, nous les faisons avancer, nous les conduisons à avancer, nous faisons d'eux des disciples et nous les enseignons, nous les instruisons afin qu'ils croissent dans la connaissance, qu'ils croissent dans la compréhension et qu'ils croissent dans l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire que nous exemplifions le leadership aux gens que nous conduisons. Nous reproduisons, nous sacrifions, nous moissonnons, nous instruisons aussi bien que nous persévérons. Et je vous ai dit que chacun chacun de tout ce qu'on a dit est continuel. Nous continuons de faire ce que nous faisons et nous perfectionnons tout. Et il y a aussi mentionné que si nous allons réussir, notre vie doit refléter la vie d'un dirigeant. Une vie édifiante, non compromettante, une vie transparente. Une vie irréprochable, une vie irrépréhensible, une vie inébranlable. Et vous serez inébranlable au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi parlé de l'autre côté, le côté négatif du leadership. Dans le leadership de Christ n'admet pas l'anarchie, l'inimitié, la colère, n'admet pas les ténèbres. Et il n'y a pas, cela n'admet pas que quelqu'un soit dans la voie des ténèbres et utiliser ses pouvoirs dans l'Église. On ne peut pas utiliser le pouvoir de Satan pour bâtir le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'extorsion. Le leadership de Christ n'admet pas et n'héberge pas l'extorsion ou la rébellion, le conflit, l'hypocrisie, l'idolâtrie ou l'orgueil. L'orgueil
dans toutes ses ramifications. J'ai fait usage de certaines personnalités, usage de la Bible, que le leadership de Christ n'admet pas ces personnalités. On a Lucifer, il y a Esaü, il y a Absalom, il y a Diotrephe, il y a Élie, il y a Ruben, il y a Saül, il y a Démas, il y a Judas Iscariot, il y a Pilate. Pourquoi pas? Pas à cause du style, du caractère licencieux de Lucifer. Celui qui est licencieux n'est pas qualifié d'être un dirigeant dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Esaü, pourquoi? Esaü était exclu. Parce que le ventre lui est plus important que le droit d'aînesse. Oui, son ventre, son estomac, à cause de cela, il est si indulgent, il était exclu. Et une telle personnalité comme Esaü n'est pas qualifiée pour le leadership. Absalom, pourquoi? Absalom, un type abominable. À cause de cette abomination dans sa vie, il n'était pas qualifié, il était disqualifié. Diotrephe, un homme tyran. Et il est dominateur, il tombe sur les dents, écrase les gens, détruit les gens, chasse les gens, afin qu'ils demeurent dans le leadership. Ça, le royaume de Dieu n'admet pas cela. Être un draconien, il y a Élie, qui est une femmelette, il n'a pas de colonne vertébrale, il est là, il savait bien que ses enfants ne vivaient pas bien, il ne pouvait rien faire, ses yeux sont fixes spirituellement, et il est sans épée, sans colonne vertébrale. Voilà. Et Ruben, qui n'a pas de racines, parce qu'il n'avait pas de racines, les vents vont souffler et l'emporter. Et Saül, et qui est autosuffisant, Saül qui est indulgent, et Saül qui est content de lui-même. Ça, vous allez examiner votre vie, que dans cette nouvelle année, vous allez bâtir votre leadership qui est centré sur la parole de Dieu, Déma. Et il y a Haman, un homme endurci, et un Haman ne doit pas diriger le troupeau de Dieu, l'incorrigible Iscariot, Judas Iscariot. Il y a Pilate, un homme qui cherche la position. Comme on voit ces caractéristiques du leadership, et développer notre vie, notre leadership, afin qu'on dirige le peuple de Dieu avec l'amour de Christ. C'est l'amour, c'est elle qu'on a traité la fois passée. C'est nous allons voir la lettre suivante qui est E. Le titre est le leadership excellent dans un ministère extendu. Un leadership excellent dans un ministère extendu. Et comme nous savons, le Seigneur, notre ministère doit croître. Il faut l'expansion, il faut l'extension dans chaque aspect du ministère. Le leadership excellent dans un ministère étendu. Et voyons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Verset 12 dit: de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder, préparez-vous et produisez l'excellence dans le ministère. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Oui, nous sommes dans le ministère afin que l'Église soit édifiée, que l'Église croisse, que l'Église s'étende, et nous devons avoir l'excellence dans le ministère. Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, verset 20. Proverbe 22, verset 20.
Voici ce que le Seigneur nous dit. Proverbe 22, verset 20. Proverbe 22, verset 20. N'est-ce pas déjà pour toi mis, pas écrit des conseils, des réflexions, comme nous lisons la parole de Dieu, comme on étudie la parole de Dieu pour mettre à jour notre leadership et l'améliorer. Et nous devons retourner à la parole de Dieu parce qu'il nous a mis des choses, pas écrites, des conseils et des réflexions. 21. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. C'est pourquoi nous appelons, c'est pourquoi on vient ici à tout moment pour qu'on connaisse la certitude de la vérité. Et afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. L'enseignement qu'on a, l'intuition qu'on a, et les disciples qu'on a, le développement qu'on a, nous ferons prêcher bien, enseigner bien, bien conseiller, conduire les gens dans la bonne direction, afin que le meilleur s'en sorte, que le meilleur sortira de vos convertis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Désirez les dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs et passionnément cherchez les meilleurs dons. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le titre cette nuit est un leadership excellent dans un ministère étendu. Nous allons voir trois points. Premier point, une exhortation chérie, une exhortation très chère. Lorsque nous exhortons et nous sommes venus conduire les perdus, une exhortation étendue pour les perdus. Deux, une évangélisation étendue. Le Seigneur lui-même nous a donné une bonne dans le ministère par sa vie, par sa prédication, par son modèle, tout ce qu'il a fait. Il nous a donné une bonne. Il nous a donné quelque chose qui ne doit pas faire défaut dans notre œuvre. Une évangélisation étendue comme une bonne pour une bonne de la part du Seigneur. Trois. Une attente que nous avons. Et le Seigneur a une attente. Attente pour vous en tant que dirigeant. Attente que le décor vous prêchez. Vous allez surpasser, dépasser l'attente. Et c'est comme voici ce que le leader doit faire, voici ce que le dirigeant de zone, la femme doit faire, la coordinatrice, voici ce que le pasteur local doit faire, et voici ce qu'un pasteur local doit faire, un pasteur de groupe doit faire, et le pasteur d'État, le pasteur de région doit faire, le pasteur national ce qu'il doit faire. Et nous excédons cela, nous allons au-delà de cela, une attente qui surpasse l'amour d'amour, qui le travail d'amour. Premier point, une exhortation très chère aux perdus, une exhortation chère des perdus au leadership. Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Il nous dit ici que si le pécheur est dirigeant,
Le Seigneur ne l'a pas planté là-bas dans l'église. Si un rétrograde est un dirigeant dans l'église, le Seigneur n'a pas planté celui-là pour conduire l'église. Et si un hypocrite religieux est devenu dirigeant dans l'église, ce n'est pas le Seigneur qui l'a mis là-bas pour diriger l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Toute plante, sans exception, toute plante à tout niveau, toute plante dans toute section, toute plante dans la vue de toute assemblée qui est appelée Église de Dieu, toute plante que n'a pas plantée, mon Père Céleste sera déraciné. Déraciné. Il peut le faire maintenant, déraciné. Il peut le faire après, déraciné. Et évidemment, dans l'éternité, il n'y aura pas de racines, il n'y aura pas de place dans le royaume. Verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont les paroles de Jésus. Laissez-les, ils sont incorrigibles. Laissez-les, ils sont intouchables. Laissez-les. Et ils sont inutiles. Laissez-les. Ils se sont protégés contre ma parole qui va leur donner la conversion. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, il parle d'un pécateur aveugle, un témoin aveugle. Il parle d'une autorité religieuse aveugle. Si un aveugle qui se croit être en autorité, il se croit connaître. Oui, avoir le chemin et celui qui est dirige aveugle, celui qu'on dirige aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. Les deux périront. Parce que le ciel n'est pas une fosse. L'enfer est la fosse. Alors, qu'est-ce qui voudrait dire que l'aveugle ne peut pas conduire un aveugle? Allons à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile est caché au prédicateur, si l'évangile est caché au témoin, si l'évangile est caché aux gens religieux qui courent par-ci par-là pour faire plus de prosélytes. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et ici, Les aveugles sont les perdus. Donc, si un aveugle conduit un aveugle, oui, ces gens aveugles, les dirigeants et ceux qui suivent vont tomber dans la fosse. Substituons ceci avec le mot perdu. Si un perdu conduit un perdu, tous vont tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles, ils sont perdus. Éphésiens 4, 18. Car par Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, l'ignorance et l'aveuglement. Comment pouvons-nous comparer cela aux paroles de Jésus-Christ? Si un aveugle conduit un aveugle, tous tomberont dans une fosse. Si un ignorant conduit un ignorant, tous deux vont tomber dans une fosse. Quelqu'un qui est ignorant du salut, il est ignorant de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est
ignorant de la qualification pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle. Si l'ignorant conduit un ignorant, tous deux conduiront dans la fosse. Nous allons à 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 2 Pierre 1, 9, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 9. Voici ce qui est dit ici. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié qu'il était purifié de ses péchés. Oui, les oublieux sont aveugles. Ils oublient l'objectif du salut. Ils oublient l'expérience qu'ils avaient faite lorsqu'ils sont venus au Seigneur. Ils oublient la victoire qu'ils avaient. Maintenant, ils rétrogradent. Ils ne comprennent plus ce que la vie signifie. Les oublieux sont aveugles. Est-ce que le verset l'a dit? Comment est-ce que nous mesurons cela avec la vie, la parole de Jésus-Christ? Si l'oublieux conduit l'oublieux, tous deux vont tomber dans une fosse. Comme on voit, les membres ordinaires de l'Église sont des gens oublieux. Ils écoutent quelque chose maintenant. En peu de minutes, ils oublient. Si leur pasteur, leur dirigeant, leur enseignant est au même niveau qu'eux, il a oublié l'ancien standard, l'ancienne borne. Il a oublié la parole de Dieu qu'on doit combattre. Si l'oublieux conduit l'oublieux, tous deux tomberont dans une fosse. Je vois Apocalypse 3. Comme on voit Apocalypse 3, verset 16. Apocalypse 3, versets 16 et 17. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, qu'est-ce que vous apprenez de cela? Oui, et celui qui est tiède et aveugle, celui-là qui peut être vraiment agile quand on parle de la politique, quand il y a l'émeute, il est vraiment enthousiasmé, mais il est très fervent quand on parle des choses de Dieu. Il est tiède, et il est lent, et il est ralentissant et il voudrait être un dirigeant. Quand un tiède dirige, les deux vont tomber dans une fosse. Je prie que le Seigneur amène le feu dans toute vie, la ferveur dans toute vie, afin que la tiédeur qui aveugle les gens spirituellement ne soit pas dans votre vie, dans ma vie, ni dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen de la nouvelle année. On va à Esaïe, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Esaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous rassemblons à des morts. Il dit, nous tâtonnons, on ne connaît pas la vérité, c'est ce qui est dit ici. Et nous cherchons notre voie, où est la vérité, où est la sagesse, où est la lumière, où est le salut, où est la guérison, où est la puissance. Et nous tâtonnons, il dit que nous tâtonnons comme des aveugles. Et nous grondons tous comme des ours.
Nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Nous cherchons le salut et il est loin de nous. Les gens qui prêchent et qui n'ont pas l'assurance du salut, et à tout moment, ils crient un peu, ils arrêtent la prière, ils vont essayer de se repentir, mais ils ne se repentent pas totalement et la repentance n'est pas profonde ni authentique. Ils cherchent le salut et c'est loin d'eux. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Si quelqu'un est comme ça et il est leader, sa vie est confuse, sa vie n'est pas franche, et sa vie n'est pas purifiée et dit, pendant que les transgressions sont là, vous êtes aveugle. C'est une exaltation chère pour conduire les perdus au leadership. Parce que si ceux qui tombent dans le péché conduisent ceux qui tombent, les deux vont tomber dans la fosse. L'exaltation chère des perdus au leadership. Lamentation 4, 14. L'aveugle ne doit pas conduire un aveugle. Et si vous êtes aveugle, vous devez vous examiner et dans ces versets que nous lisons, et puis faire quelque chose afin que vous ne soyez pas un aveugle qui dirige un aveugle et puis conduit des gens dans la fosse. Lamentation 4, verset 14. Ils erraient en aveugle dans les rues. Ils erraient en aveugle dans les rues. Ils erraient en errant dans les rues. Ils erraient en aveugle dans les rues. Souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Vous approchez d'eux, ils sont souillés, sont pollués. Vous pouvez déjà sentir l'odeur de la pollution. Peut-être un ivrogne qui est dirigeant. Peut-être la personne qui va par-ci, par-là, embrasse celui-ci, embrasse l'autre là. Et on peut déjà percevoir l'odeur des gens qu'il embrasse. Et ouais, ils sont des errants, ceux qui vont d'une assemblée à une autre assemblée, qui vont de message en message. Ils ont écouté un message ici, ils ne vont pas prier, ils vont aller sur l'internet, ils vont chercher quelque chose d'autre. Et pour défendre ce message, l'autre qu'ils écoutent sur l'internet, ce qu'ils voient sur le YouTube, ils sont des messages adultérés. Alors, ils n'ont pas de conviction parce qu'ils errent par-ci par-là. Si l'errant conduit un errant, alors tous deux tomberont dans une fosse. Vous allez examiner votre vie. Êtes-vous un errant ou bien vous restez avec la parole de Dieu? Jésus nous a dit, il nous a donné la parole qui ne change pas, qui reste jusqu'à la fin. Que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans une fosse et les errants sont aveugles. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'on ne demeure pas aveugle. Amen. Allons à Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 10. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés
aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces insatiables. Ce sont des chiens voraces insatiables. Cela nous parle du fait que le cupide, une sentinelle, un pasteur cupide est aveugle. Il veut ceci ou cela. Quand nous parlons de la cupidité, ce n'est pas seulement en affaire d'argent. On parle de quelqu'un qui est cupide de position. Il détient ceci, il veut encore détenir un autre poste, il veut encore détenir un autre. Monsieur, il y a d'autres personnes aussi, que chacun fasse quelque chose. Joue ton rôle, que je joue mon rôle. Que lui aussi joue son rôle. Mais celui-ci, il est cupide, il veut tout. Il veut contrôler ceci, contrôler cela. Il est cupide de possession. Il est cupide de poste. Il est enivré de poste. Qu'est-ce que est enivré d'argent? Qu'est-ce que je peux avoir de ceci? Et le Seigneur a dit que le cupide, l'aveugle, si un cupide conduit un cupide, un aveugle comme lui, les deux vont tomber dans une fosse. On va à Matthieu 23. Et nous lisons Matthieu 23, voyons verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, ils sont hypocrites, mais ils sont empressés à conduire les autres. Et Christ, le leader, le sauveur, il a prêché la vérité qui amènera les gens à la vie éternelle. Ils ne lui ont pas permis. Et qu'il enlève, il ôte les gens que nous dirigeons. Quiconque suit Jésus est chassé de la synagogue. Mais il était des conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un converti, un disciple. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. 16. Malheur à vous, conducteur aveugle. Voilà le verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Rappelez-vous que si l'aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Et quand un hypocrite conduit un hypocrite, tous les deux tomberont dans une fosse. Je prie que vous ne soyez pas hypocrite, que vous ne soyez pas aveugle, que vous ne soyez pas perdu, que vous ne soyez pas ignorant, que vous ne soyez pas oublieux, que vous ne soyez pas tiède, que vous ne soyez pas un rétrograde qui tombe, que vous ne soyez pas un errant qui va par-ci par-là au nom de Jésus-Christ, que vous ne soyez pas cupide de rien,
que vous ne soyez pas hypocrites. Que le Seigneur fasse de nous de réels dirigeants sauvés, purifiés, lavés, qu'ils sont investis de la puissance du Saint-Esprit et que nous dirigeons en bonne forme nos yeux ouverts, notre pensée ouverte, le cœur ouvert, que nous ne soyons pas d'aveugles dirigeants, des aveugles au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, l'évangélisation étendue comme une bonne venant du Seigneur. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Alors, il a fait et cela est devenu une bonne pour nous. Tout ce que Christ a fait, et il a souligné, et puis il a ordonné, et dit, voici ce qu'il faut faire. Je l'ai fait. J'ai montré l'exemple au sujet de ce que vous devez faire. Et il a mis comme une borne. Allons à Proverbe. Et la borne, on va à Proverbe 22. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Christ a dit, Christ a fixé la borne. Les apôtres ont pris cette borne. Que voici ce qu'il a commandé. Il a posé la borne. Et nous venons pour refaire la même chose. Et nous l'a transféré, nous qui ont suivi après. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et les pères dans la foi, nos pères, dans le ministère, ils ont posé cette marque comme Christ l'a donnée. N'allons pas ôter la borne au nom de Jésus-Christ. Proverbe, chapitre 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Ne déplace pas la borne ancienne. Ne déplace pas la borne ancienne. Faut pas substituer la bonne marque à la façon d'adoration de la nouvelle génération. Voici comment on le fait. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la bonne ancienne et embrassent quelque chose de moderne, quelque chose d'inutile, quelque chose de sans valeur, quelque chose de rien. Et c'est dit, ne déplace pas la bonne ancienne. Et n'entre pas dans le champ des orphelins. Qu'est-ce que Christ a fait? Et cela est devenu pour nous, pour vous, pour moi, pour chacun de nous, une borne que nous ne devons pas déplacer de notre vie, déplacer de notre famille ou ôter de notre ministère ou ôter de la vocation, l'appel que le Seigneur nous a lancé. Voilà ce que Christ a fait. On va à Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, nous lisons le verset 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est la borne que Jésus a posée. Il n'est pas resté dans un lieu, dans la chambre haute. Il n'est pas resté au bord du puits. Mais si quelqu'un, dans le sanctuaire, si quelqu'un a besoin de salut, qu'il vienne ici. Si quelqu'un veut être illuminé, qu'il vienne ici. Le Messie, le docteur qui est venu du ciel, tu sais que tu as besoin de cet enseignement qui sauvera ta vie. Me voici ici, viens, il ne sort jamais. Non, il s'est dit ici que Jésus parcourait tous les villes et villages. Donc, alors vous êtes un pasteur de groupe. Est-ce que vous visitez ces quartiers? Est-ce que vous touchez tous les lieux? Est-ce que vous organisez les membres de l'église ou bien une fois le mois ou bien une fois le
trimestre, comme Jésus-Christ, vous visitez les villes, les communautés, les quartiers. Arrivez là-bas, vous ne discutez pas de la politique, de la sécurité. Arrivez là-bas, vous ne discutez pas de la richesse, de comment réussir, comment avoir la foi, réaliser ceci, cela. Mais vous discutez de la bonne marque que Christ a posée. Parce qu'il a parcouru toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Il y a des gens qui ont ôté la guérison. Ils ont dit que, vous savez, dans le monde moderne, il y a l'hôpital, il y a les hôpitaux, les cliniques, il y a les infirmiers, les médecins. Alors, ils ont transféré le ministère de Christ à ces médecins. Et vous allez savoir que ce ne sont pas tous les docteurs qui sont de nouveau, ce ne sont pas tous les docteurs qui sont enfants de Dieu. Au fait, la majorité de ces médecins ne sont pas de nouveau. On transfère le ministère de Christ à leurs mains. Et il y a des gens qui se disent, ministre, il ne peut pas prier pour les malades, il ne peut pas délivrer les opprimés, il ne peut pas prier pour avoir les dons et l'appel que Christ avait. Mais vous savez ce que Jésus a fait? Il a guéri toutes les maladies et guérissait toutes les infirmités parmi le peuple. Et Francis dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y a des pharisiens, ils avaient des pharisiens, mais ils n'avaient pas de berger. Il y a des chefs religieux non sauvés, injustes, rigides, inflexibles, mais ils n'avaient pas de berger. Ils avaient la synagogue, ils avaient tout, mais ils n'avaient pas de berger. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient être membres de cette dénomination qui n'écoutent pas le message du salut quand on leur parle que j'aime mon église aussi, mais tu n'as pas de berger, tu n'as pas le salut. Et la déclaration de l'évangile est inconnue à ces gens. Et c'est dit. Et alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et puis il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il y a de prétendus dirigeants qui ne savent pas comment amener plus d'ouvriers, comment amener plus de moissonneurs, disent qu'on a assez. Regardez l'église, nous avons 100 membres, nous avons 10 ouvriers, n'est-ce pas suffisant? Mais pour les 100 membres, est-ce que vous prenez soin de ces membres ou vous pensez à la communauté? Il veut que l'évangile soit prêché à tous. Il dit, priez donc, persévérez donc, et œuvrez donc pour faire amener plus d'ouvriers, plus d'ouvriers dans la moisson. Je prie que Dieu ouvre nos yeux, que nous fassions ce qui doit être fait, et que plus d'ouvriers soient amenés dans la vigne du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc chapitre 1. Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. La prière est merveilleuse comme Christ. Vous voyez, il y a des gens qui ne se focalisent que sur la prière. Pas de prédication, pas d'évangélisation. Ils ne touchent pas la vie des gens. Je prie. Et ils sont guéris de prière. Ils sont restés chez eux. Ils prient et ils continuent de prier. Ils ne vont pas prêcher. Quand vous les appelez pour l'évangélisation, ils disent que je prie. Quand les appelle pour faire une œuvre dans le royaume, pour élargir, pour étendre le royaume, il dit que je suis en train de prier. Jésus a prié également. Mais il n'a pas limité son ministère à la prière. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous te cherchent.
Il y a des gens, quand ils ont connu un petit succès et dans un petit district, dans leur petit quartier là, et que tout te cherche, tous les hommes les cherchent, et chaque matin, on tape à leur porte, pasteur, je suis prêt, je suis malade, prie pour moi. Pasteur, mon enfant a un défi, prie pour lui. Et que les gens les visitent, et leur pensée ne va pas au-delà de cette petite maison, au-delà de leur quartier, et que tout me cherche. S'ils ne sont pas prudents, même en temps de réunion, l'étude biblique, que je ne peux pas sortir. La personne est venue, que voici mon défi, et il me connaît ici, et c'est moi qui présente le problème au Seigneur. Ils vont laisser la Bible, ils ne vont pas venir à l'étude biblique, ils vont continuer à prier. Parce que tout me cherche. On doit avoir les sentiments de Christ, le cœur de Christ, avoir l'appel de Christ, afin que nous ayons une évangélisation étendue comme une bonne venant du Seigneur. Voyons le verset 38. Il leur répondit à celui à qui on a dit que ceux qui l'ont dit que tout te cherche, ceux qui vont le clouer pour rester là-bas. Il leur répondit, allons ailleurs. Dans les bourgades voisines. Allons ailleurs. Dans les bourgades voisines. Le chef, le préfet d'une préfecture ne met pas les réverbères dans une seule rue. Et n'amène pas sinon la pompe dans un quartier et abandonne les autres quartiers. Tout est mis dans tous les lieux de sa juridiction. Oui, l'évangile n'est pas pour un seul quartier. L'évangile, c'est pour toutes les villes, pour tous les villages. Et allons, c'est dit ici, que allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Vous savez pourquoi il est venu? Vous savez pourquoi vous êtes dans le ministère? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Vous devez étendre. Vous devez aller au-delà de ce petit quartier. Allons à Luc 10. Luc chapitre 10 et verset 1. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres. Il a nommé les 12 dans le chapitre précédent. Maintenant, il a aussi désigné 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux. 70 divisé par 2, ça fait 35. Alors, il les a envoyés dans 35 villes. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, quoi qu'il les ait envoyés, qu'il devait prêcher l'évangile, il dit, allez ici, allez là-bas, allez à l'autre côté. Et puis, il n'a pas dit, et j'ai beaucoup de disciples, j'ai beaucoup de moissonneurs, j'ai beaucoup de gagneurs d'âmes, donc je peux me reposer, je peux rester chez moi. C'est-à-dire où lui-même devait aller. Et tous ces lieux, toutes ces villes que ces gens ont visitées, lui aussi s'y était rendu. Et Luc 13, comme Christ a étendu ses son ministère, il faut étendre l'œuvre qui doit être faite. Luc 13. Et il allait dans les villes, il n'est pas resté dans une seule ville, merveilleux, les malades sont guéris ici, et je crois que d'autres villes sont ici, je crois que d'autres villes écoutent les témoignages et qu'ils viennent ici. Il est allé. Et Luc 13, verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route
enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Évidemment, il enseignait le salut et il donnait la condition du salut. C'est pourquoi quelqu'un a posé la question, « Et si tout le monde n'arrive pas à remplir cette condition ? Et si tout le monde ne se repent pas ? Et si tout le monde ne fait pas la rédition ? Et si tout le monde ne croit pas que tu es le Christ ? Et si tout le monde n'a pas la compassion ? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Comme il allait de porte en porte, de ville, village en village, il ne rabaissait pas le standard, il ne leur donnait pas un évangile adultéré, feulaté, mais il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Il est allé partout prêcher l'évangile. Ça, c'est la bonne. C'est ce qu'il nous a laissé faire. Nous allons le suivre. Nous allons faire ce qu'il a fait. Nous n'allons pas ôter cette bonne d'évangélisation. Nous n'allons pas ôter cette bonne d'enseigner toute la vérité aux gens, jusqu'à ce que les gens sachent que voici la voie pour être sauvé et avoir le véritable salut. Luc 19, verset 1. Luc 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux lorsque Jésus fut arrivé. Vous savez qu'il cheminait vers Jérusalem et ses pensées, son visage, tout est fixé sur Jérusalem. Il y a des gens, là où il allait, c'est là qu'ils vont. Et ils ne voient rien dans la voie ou sur la voie. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je vais là-bas. Mais Jésus-Christ savait qu'une âme est là et a besoin de salut. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé logé chez un homme pécheur. » Il y a certains qui n'arrivent pas à supporter une petite critique. Ils délaissent là, comme ils ont critiqué Christ, qu'il est allé logé chez un homme pécheur. Comprenez? Tous ces gens qui critiquaient le Seigneur étaient pécheurs. Ils ont vu Jésus. Ils n'avaient pas le salut. Maintenant, Christ allait sauver un pécheur, et ce pécheur, alors se plaignait que lui, il est allé vers un pécheur. Beaucoup de gens qui critiquent n'ont pas là où aller, ils ne font rien, ils n'ont pas le salut à offrir. Et eux-mêmes aussi ne possèdent pas le salut. Et si vous permettez qu'un pécheur vous empêche, qu'un rétrograde vous empêche, donc, le pécheur est plus puissant que vous. Et son projet d'empêcher le salut des gens est plus grand que ta puissance voulant sauver les gens. Jésus avance. Nous allons avancer. Moi, j'avance. Vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Et Zachée, se tenant devant le Seigneur, le dit,
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est le vrai salut. Un salut qui change la vie. Un salut qui fait qu'une personne retourne les articles volés à la personne légitime. Jésus lui dit, il ne leur a pas parlé, il ne s'est pas adressé à ces gens qui s'opposent à lui, à ces gens qui cherchent la faute. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la bonne qui nous a laissé. C'est l'œuvre qui nous a laissé. Alors, il nous a montré l'exemple, comment il a fait. Et nous devons le faire de la même manière. Nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Luc 22, verset 47. Luc 22, nous lisons 47. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Verset 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Il était proche de la crucifixion. Il continuait l'œuvre. Il a été trahi, mais il continuait l'œuvre. Il serait arrêté. Et puis, mais il continuait l'œuvre. Et lorsque Pierre a frappé l'oreille de gens là, l'un des gens là, le Seigneur Jésus s'est baissé, il a pris l'oreille là, il l'a mis à sa place et l'a guéri. Son ministère a continué jusqu'à la fin. Que vous ayez un problème ou pas, que vous soyez persécuté ou pas, que vous soyez ballotté et arrêté ou pas, l'œuvre doit évoluer. Ça, c'est la borne qu'il nous a laissée. Luc 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Maintenant, il est à la croix. Il éprouvait des douleurs. Il a été cloué à la croix et son vêtement était ôté et c'était partagé entre eux. Néanmoins, il a toujours le souci pour le pécheur. Il a le souci disant que Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est maintenant à la croix et l'un des voleurs à la croix aussi, voulant le salut, et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et il éprouvait tant de douleurs que j'ai soif, leur donner un fiel à boire. Au sein de cette douleur, il sauvait quelqu'un pour l'amener au ciel, pour sauver les perdus, que ça, c'est la bonne que Christ nous a laissée. Dès que vous avez la voix pour parler, et les yeux pour voir, la main pour toucher, toute autre chose que vous traversez, la bonne qu'il nous a laissée, c'est que vous évangélisiez et que vous fassiez sortir les pécheurs de l'enfer pour les amener au ciel. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Je prie que vous soyez comme Christ. Je serai comme Christ. Je serai comme Christ. Je ne vous entends pas. Je serai comme Christ. Vous serez comme Christ au nom de Jésus-Christ. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il est ressuscité des morts. Il est apparu à ses disciples. Il est apparu sous une forme glorifiée. Au lieu de dire que, voilà les pharisiens, voilà ce qu'ils ont fait, mais maintenant ils ont ressuscité des morts, au lieu de se vanter de ce qui s'est passé, il est retourné à l'évangélisation. Qu'avez-vous? J'ai un miracle, j'ai la résurrection, j'ai une vie ressuscitée, j'ai la prospérité, et j'ai le succès, j'ai ceci et cela. Et la célébration du succès ne te permet pas de faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est apparu à ses disciples et les a ramenés à cette borne. Il est dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je prie que nous ayons tous les sentiments de Christ. Que vous ayez plus des sentiments de Christ. Que nous ayons plus des sentiments de Christ au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Une attente. Les attentes surpassantes dans l'œuvre d'amour. Les attentes excessives ou surpassantes. Les attentes excessive dans l'œuvre d'amour. Et tu peux surpasser cette attente. On a dit que ce que je dois faire, c'est seulement être dans la chorale et chanter. J'ai joué mon rôle, j'ai chanté et l'évangélisation. Non, je suis choriste. Mais tu devais aller au-delà de cela. On nous a dit de tenir le programme des femmes. On a uni les femmes, mais plusieurs ne sont pas arrivées. Mais j'étais là le premier vendredi du mois là, et peu de personnes qui étaient là, ils ont dit qu'on parle de comment faire ceci. On a fait le programme et j'ai parlé aux gens à 20h, j'ai laissé les gens. Quelqu'un a dit que sœur, j'ai besoin de ton attention. Au fait, je venais, mais je ne suis pas sauvé. Je vais être sauvé. Je vais avoir la vie, toi. Regarde-le. C'est déjà 20h. On nous a dit de terminer à 20h. On finit maintenant. Je vais te voir la prochaine. Mais tu pourrais même aller au-delà de cela. C'est parce qu'on nous a donné l'œuvre à faire, le temps à suivre. Et à cause de cela, je ne peux rien faire. Troisième point, les attentes excessive dans l'œuvre d'amour. Vous allez surpasser l'attente au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas. Vous n'avez pas dit que Jésus, j'ai une seule heure, j'ai fait cela, c'est fini, je ne peux pas continuer, mais vous allez continuer. Vous allez servir le Seigneur. Vous allez travailler pour le Seigneur. Et on nous a dit que ces gens-là, qu'on a seulement besoin de vous. Il y a d'autres gens qui vont venir. Tu es de quelle rue? Oui, mon domaine, oui, là où je suis là, ça ne coupe pas ces parages-là. Si tu es malade, si tu es pécheur, si tu vas en enfer et
tu es à la dernière étape de la vie, je ne peux pas te prêcher parce que tu n'es pas dans mon quartier, parce que tu n'es pas dans mon district. Il y a le pasteur du district, lui va s'en charger. Nous devons dépasser, surpasser les attentes. Et deuxième, Corinthiens chapitre 8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Que je peux rendre témoignage de ces gens, de leurs moyens, au-delà de leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, et nous croyons qu'ils vont s'arrêter à ce niveau et qu'au revoir, ils ne peuvent plus continuer. Mais ici, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés au Seigneur. Ils ne sont pas arrêtés là-bas. Certains disent que, oui, je connais ma consécration, et Dieu connaît ma consécration, je connais ma fidélité, et Dieu et la connaît, je connais mon travail, et Dieu connaît mon œuvre, oui, je sers Dieu, je ne sers pas un homme, je sers Dieu, et je ne vais pas continuer à courir à cause d'un homme, à cause d'un pasteur là-bas, voyons ceci. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, après avoir donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et que tous nos talents sont disponibles, toutes nos capacités sont disponibles, notre temps est disponible, et nous avons tout consacré à Dieu, mais nous devons vous faire savoir que nous sommes disponibles. Je prie que vous soyez pareil au nom de Jésus-Christ. Nous allons aux Philippiens. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Chaque fois que vous obéissez, mais il faut faire un pas supplémentaire. Il faut faire des choses supplémentaires. En ma présence, voici ce que vous faites. En ma présence, voici votre fidélité. En ma présence, voici votre obéissance. Et maintenant, même que je ne suis pas là, alors vous faites plus. Vous faites cela sans murmurer. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pas que, oui, on est là. Mais, je dis, ouais, parce qu'on est ouvrier, parce qu'on dit qu'on doit être là, mais notre pensée n'est pas là. On est là, notre corps est là, on pense à ceci, on pense à autre chose, on murmure et puis on hésite. Mais faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, une génération méchante. Tous les problèmes sont là dans la génération, dans la nation parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie en prêchant, portant la parole de vie dans l'évangélisation, portant la parole de vie en faisant sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Colossiens 1, 28. Colossiens 1, verset 28. 28 dit, c'est lui que nous annonçons
exhortant tout homme, celui que nous annonçons, exhortant toute âme, tout homme. Ouais, l'apôtre Paul n'a pas fait une prédication partielle, sélectionnée. Ces gens qui sont faciles à traiter, je vais leur parler. Les gens là sont, qui sont difficiles, ils ont décidé et ils ne veulent pas aller au ciel. Donc, je suis Christ 2. Non, vous n'êtes pas libre. Ceux qui sont là, qui sont argumentateurs, je ne vais pas leur parler. Ce sont des critiques, je ne vais pas leur parler, mais vous pouvez. Parce que c'est dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Exhortant tout homme, les imputants, les argumentateurs, exhortant tout le monde, les personnes difficiles, exhortant tout le monde, ceux qui rejettent, exhortant tout homme et inclusant tout homme en toute sagesse. Et l'apôtre Paul n'a pas de sagesse pour traiter ce groupe, il ira prêcher. Seigneur, je dois présenter l'évangile à ces gens difficiles, à ces gens qui rejettent, à ces contradicteurs. C'est comme je n'ai pas la sagesse, je prie pour la sagesse. Vous allez prier et avoir la sagesse pour sortir et toucher les gens que vous devez toucher. Intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu comme de personne, tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Cette œuvre continuera et nous allons continuer l'œuvre d'amour au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Les Thessaloniciens étaient amenés à connaître le Seigneur et eux-mêmes ont suivi l'exemple de l'apôtre Paul. Ils ont œuvré dans l'œuvre d'amour, ils ont œuvré dans leur travail de charité, ils ont avec la fermeté de l'espérance et l'apôtre Paul se réjouissait à cause d'eux, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Est-ce que vous devez faire, ces convertis et ces disciples, des disciples du leadership, les imitateurs du leader. Et comme le leader est préoccupé des choses et l'évangélise, vous aussi, vous devez évangéliser. Eux aussi vont évangéliser. Et vous marchez par amour, vous marchez dans l'espérance, vous faites tout selon l'enseignement de la parole de Dieu. Et eux aussi font la même chose. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Ils avaient des problèmes, mais ils n'ont pas cessé. Ils sont persécutés, mais ils n'ont pas cédé, ils ont beaucoup de tribulations, ils n'ont pas abandonné l'œuvre. C'est comme chaque fois, apporte, chaque fois prier pour nous, vous avez des problèmes, chaque fois demander le secours, parfois demander le conseil. Et tout ce qu'ils ont eu ces années ne suffit pas de les conseiller. Vous devez vous appuyez sur le dirigeant. Mais ces gens-là, ils ont reçu la parole dans beaucoup d'affection et avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière
que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ces convertis étaient également des prédicateurs. Ils sont gagnants d'âmes. Et ils allaient dans la communauté. Et quand on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Il espérait, il attendait l'enlèvement du Seigneur. Il espérait l'enlèvement du Seigneur et son prêt pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je prie que nous soyons comme ça. Que vous soyez comme ça. Nous allons faire plus que jamais. Chaque jour, nous allons ajouter l'addition. Chaque jour, nous allons ajouter à notre talent, ajouter à notre faveur, ajouter à notre sérieux, ajouter à notre sacrifice au nom de Jésus-Christ. Plus en plus. Dans votre vie, plus en plus. Dans votre ministère, de plus en plus. Voyons. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, voici les gens qui étaient déjà évangélisés, des gens qui évangélisent et qui touchent leur communauté, des gens qui prêchent l'évangile. Paul a dit que dans la Macédoine et l'Achaïe, vos paroles ont touché des vies. On n'a rien dit parce que vous les avez enseigné l'évangile. Maintenant, il dit au reste, plus que ce que vous avez fait au reste, plus que ce que vous avez fait pour évangéliser au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard et comment plaire à Dieu dans votre évangélisation, dans votre œuvre de zèle pour le Seigneur, de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Il disait que votre conviction croisse. Il dit que votre compassion augmente. Il dit que votre contribution s'étende. L'évangélisation, que votre contribution croisse, que votre constance augmente, que votre courage augmente, que votre coopération, comme on travaille ensemble et on amène l'évangile partout, que cette coopération croisse, que cette, votre consécration, votre engagement à la grande commission croisse. Nous allons croître. Et nous disons, il faut faire le progrès cette année, vous allez faire le progrès. Avec conviction, vous allez faire le progrès. Avec compassion, vous allez faire le progrès. Amen. Avec votre conscience claire, vous allez faire le progrès. Et avec une contribution très chère, vous allez faire le progrès. Avec constance, vous allez faire le progrès. Avec un courage constant, sans jamais permettre à quelque chose de vous faire récidiver ou bien rétrogresser en engagement, vous allez faire le progrès. En consécration, vous allez faire le progrès. Sans compromission, sans sensualité, sans convoitise, sans corruption, sans conflit, sans compétition avec les autres, sans contradiction. Au reste, frères, ministres et dirigeants, au reste, pasteurs et dirigeants, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites cette nouvelle année, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en prière. Nous allons marcher, vous allez marcher à cet égard de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et amenons ce message au Seigneur. Un message, oui, notre leadership excellent dans un ministère
étendue. Combien vous allez faire pour le Seigneur cette année? Comment allez-vous étendre cette année? Comment allez-vous vivre cette année? Et rappelez-vous, oui, c'est très cher de... Oui, c'est très cher en exaltant les perdus, que vous ne soyez pas perdus. Ouais, si un aveugle conduit un aveugle, tous vont tomber dans la fosse. Un ignorant qui conduit un ignorant, tous les deux vont tomber dans la fosse. Un charnel qui dirige un charnel, tous les deux vont tomber dans la fosse. Un oublieux qui dirige un oublieux, tous les deux vont tomber dans la fosse. Un tiède, celui qui est froid, celui qui est apathique, chaque fois fatigué, chaque fois lent, celui qui est froid, pas de zèle, le tiède qui dirige, le tiède, tous les deux vont tomber dans la fosse. Un rétrograde qui dirige un rétrograde, tous les deux vont tomber dans la fosse. Un errant, et ne se plonge pas dans la parole de Dieu, tout ce qu'elle a entendu, et erre sur l'internet, et vagabonde sur le YouTube, et il ne digère rien de bon. Oui, un errant qui conduit un errant, tous les deux vont tomber dans la fosse. Oui, le cupide, ceux qui sont affamés de pouvoir, qui dirigent les autres, qui sont affamés de pouvoir, tous deux vont tomber dans la fosse. L'hypocrite, qui conduit un hypocrite, tous les deux vont tomber dans la fosse. Parlez au Seigneur, disant, Seigneur, aide-moi cette nouvelle année, que je me tienne sur la parole de Dieu, et que l'évangile, notre évangélisation s'étende, que je me lève, et que j'agisse selon la bonne marque, selon la bonne que nous avons reçue du Seigneur. Et il faut excéder, il faut surpasser les attentes. Tout ce que tu crois, que voici ce qui est espéré de toi. Alors, il faut aller au-delà de ce qui est attendu de vous et que votre ministère, aller au-delà et que votre ministère, votre sacrifice aille de progrès en progrès, de progrès en progrès.